On a vu grâce à l'adressage dynamique que DHCP pouvait donner, en plus de la configuration réseau commune aux machines du réseau, une adresse IP dynamique aux machines. Or, certaines machines nécessitent d'obtenir toujours la même adresse. C'est souvent le cas pour des machines qui font tourner des services et dont l'adresse est connue des autres machines. Pour cela, il est possible de déclarer dans le serveur DHCP des adresses IP dites fixes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ces machines demanderont leur configuration réseau, elles obtiendront toujours la même adresse IP. Dans la configuration du serveur DHCP, cela se fait simplement en associant l'adresse Ethernet de la machine à la configuration spécifique qu'on veut lui donner. L'adresse IP, certes, mais également parfois son nom ou d'autres informations spécifiques à cette machine. Évidemment, les adresses IP fixes que l'on déclarera ne doivent pas faire partie de la plage d'adresses dynamiques que le serveur DHCP peut attribuer par ailleurs.